Edouard Herriot a dit qu'il tient pep, c'est tout ça qui a prêté l'elfine blier toute bagaille. Dans souci pour permettre de rester connecté à Kiltio, tout haïtien connecté, TAC 509, a présenté au chaque dimanche à partir de 7h à magazine Chaka Kiltirel. Ken Levilsen, Mario Pandache et invité yo pral brasser ensemble pour dans même canister paroles qui gen pour ak danse, théâtre, musique, cinéma, littérature, peinture et latrier. Yo mélange information, éducation et distraction chaque dimanche soir à partir de 7h sous plateforme Paola TAC 509. Chaka Kiltirel pour ne pas jamais oublier. Samba liberté nous. On fois encore vin battre rassemblement. Vin réaccorder que nous pour mélodie ça pique pi tout vent. La société comment nous est? Moi content pour me trouver pour 4e numéro Chaka Kiltirel. Merci à vous-même qui toujours prend petit temps pour aimer, commenter, partager différents numéros Chaka Kiltirel. Je dis à ce 4e paraître nous. Nous sommes très satisfaits de réaction, nous sommes très satisfaits de commentaires qui fait par rapport à numéro. Nous demandons pour continuer à suivre TAC 509, continuer à suivre Chaka Kiltirel, continuer à garder vidéo nous, commenter et partager, aider nous à améliorer la qualité de travail que nous faisons. Pour le 4e numéro, ça, nous décidons que nous allons parler de musique, nous allons parler de littérature, puisque deux noms principaux invités, ou bien deux groupes d'invités qui constituaient menu édition ça d'abord et avant tout gagner des invités qui représentaient un label qui représentait un groupe qui décidait initier un mouvement initier un projet qui bâtit autour de rap nous pral gagner pour nous ça I am music I am rap c'est projet là et donc I am music c'est label là qui décidait réaliser projet ça avec plusieurs MC nous pral gagner pour nous fonti parler avec TF avec Blazymatic dans édition ça jodia. Et deuxième invité là pour nous fermer émission ça, c'est pour un invité qui dans domaine littéraire là, dans domaine littérature, j'aime ce deal, c'est pour Vianney Ménard qui c'est un jeune écrivain qui lui-même sorti sous table premier livre, lui véritablement qui relait fais-moi jouir avec lui nous pour regarder qui ça dans le livre là, qui sa expérience lui comme écrivain bali. Et que le fait lancer s'il vous plaît, même s'il est toujours dit, et il dit dans l'interview aujourd'hui, que il fait, il a commencé à écrire un peu tôt, mais jamais publié véritablement, et aujourd'hui, avec Fais-moi jouir, il proposait tête li, by lecteur, il proposait tête li, by public là. C'est deux invités, ça, ou pas le gagner dans l'édition aujourd'hui, mais comme vous connaissez, nous toujours faisons en sorte que l'édition finit avec des commentaires sur l'actualité culturelle, avec cause et prestations virtuelles, nous pas le gagner pour nous partager quelques qui pourraient venir avec vous. Et nous pourrons le fermer avec une autrice, avec la mort du grand maestro de l'orchestre septentrional, directeur musical de ce grand orchestre, François-Nicole Lévy, qui mourit à 73 ans. C'est information ça que nous mettons en bout dans le 4e numéro de Chaka Kiltirel là. Quand il est là, sans trop bas de bouche, nous pourrons le permettre de vivre l'interview que Badjo, collègue moi, Badjo, Cavalier Paul Cam, a réalisé avec Monsieur I Am Music et particulièrement Denan MC qui sous projet I Am Rap là, Blazymatic avec TF, n'a pas tourné tout de suite après. Merci Badjo, Chaka Kiltirel, pour le faire beaucoup de parler de Denan I Am Music là avec Blazymatic avec TF Baron, de la BL. Ouais, petit Badjo Chanel de là, son projet est en train de sortir et 27 j'ai tapé là, mais tout sous Team Yoa, sous qui ça a été fait, sous qui ça a été fait, sous qui ça a été fait. Posez, n'a big up et tout super bon chez Chosa, man, qui c'est un bon street et qui c'est rubrique là. TAC 509, ok, Chaka Kiltirel, big up tout le monde. So, son plaisir, man, pour nous là, je dis à Blazymatic, pla, on le salue déjà, monsieur Pan, à l'autre. Et nous là, et on vient connaître Seth Baron, et nous allons aller de toujours, man, ça nous en coûte, ça nous en coûte. Et pendant le projet 27 là, AM Music gagne un projet d'absolu. Bien, qui c'est Kenny Wapatni, qui est 10 artistes, qui est supposé gagner un solo, gagner un feedback, on va voir un doc. Et la pensée, il y a un discard qui est là-haut, samedi, il y a un bain de rap, il y a un bain de rap. Il y a un bain de rap, 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 il y a un b
il y a un rappeur qui va filmer, qui va Ouais, bah c'est que ça arrive directement avec tant artistes en tout, du moins. Et nous avons dit tout, et volontaire tout, vous comprenez? Et il y a 10 artistes, il y a 10 belles MC sous projet, mais bah c'est que c'est avec vous, nous, pour tout le monde qui va participer avec nous, c'est bien qui va capable. Donc, bah c'est un rappel. Alors, est-ce qu'il y a un peu de l'idée et projet ça, c'est un concept là? Est-ce que c'est Star AM qui mette le chute à dire? Maintenant, c'est un projet comme ça. Yeah, en fait, on connaît et dans AM, nous-mêmes, nous toujours travaillons en équipe. So, nous toujours à peu innover en quelque sorte. Déjà, depuis la montée structure AM, nous te dit que nous supposons faire bayo différemment. AM dans son label. Ouais, et jusqu'à présent là, nous avons dit que nous avons fonctionné en label. D'ailleurs, nous légal, mais nous ne pas bandit. Non légal. So et Jean Abdoula et c'est l'idée qui venait et puis moi il y a Abès me dit yo Abès mais comment nous pensons bagaille mais il pas totalement salé ya et puis moi même Abès nous chita ensemble et puis nous set up reste l'idée et puis yo boom et puis nous dit yo on a moment là nous t'as supposé faire un challenge parce que nous t'es fin sorti dans période challenge et I'm so Brooklyn, ok. Et me dit yo, si nous t'affrontons avec comme ça, comme si on côté n'importe chaque MC a posé voix sur un beat et qui a très bon tout pour beat mais que qui peut jouer de ça tout parce que pas bon ici combat nous toujours comme si pas by espace avec monde qui n'a pas background, ok. C'est toujours artiste yo ouais mais yo pas ouais et monde qui n'a pas background non like producer ou beat maker tout ça. So et nous t'es définitivement contacté MCO et puis tout le monde répond nous yes, il y a des machines dans route là et jusqu'à ce que nous venons jeune frère là qui se respecte qui lui-même faute de temps ou encore volonté gentille dire et peut-être pas sous projet mais déjà là et nous annoncer projet nous et l'a sorti et j'en souhaite là. Et regardez c'est Didi qui produit Didi still on the beat. Yeah. Monsieur Sonné qui vraiment et pour ton l'autre couleur. On a parlé de côté hip hop basically dans style monsieur Jean monsieur fait et nouveau son pour game haïtien mais qui pour un nouveau son pour game mondial là parce que vraiment avec Dedi nous venons consacrer la montée du boom bap et dans le game en Haïti so c'est monsieur mérité tout crédit ça au même parce que déjà avec Cypher HMI 2017-2018 dédié et je n'ai pas quelques lots artistes encore qui viennent frapper à dédié et nous venons challenge encore ou nous venons 10 belles artistes frapper sur lui encore c'est dédié ça bah c'est yo non mon mari est l'autre man dédié still yeah mais qui y a comment choisir si vous faites pour vos jams mon cher c'est invité sur vos jams c'est possible invité sur vos jams. Même pas c'est dans le milieu, mais tout n'est connecté. Il ne doit pas développer mes rapports, mais pas on a besoin de faire là. Il pas besoin de parce que ça a été lié avec l'administration, okay, ça va être sur le côté artistique, et particulièrement Abens, okay, que tout le monde connaît. Et il y a un bon monsieur Espérance, monsieur Fond Travail, et pas seulement dans AM, mais dans le milieu, que tout le monde supposé respecter ça, mais non, c'est qui vient fou, même, pour tout le monde, monsieur, c'est un poteau, mais pas rien, même. Et parce que c'est monsieur qui régularise tout le bagage, qui dit, bah, ok. Qui sélectionne MCO, c'est pas n'importe quoi, tout, c'est des mecs peut-être qui jugent plus de capacité, mais qui veulent peut-être qu'ils mettent focus sur nous, que le public en ligne vraiment, ok, pas bah, ça va mériter. Et monsieur te dit, bon, ok, une fois que nous avons capacité telle MC, nous allons laguer, nous allons faire ça, nous allons faire projet ça, pour nous, aujourd'hui, challenge, pour nous, yeah. Qui est pour MC, on prouver les mêmes, et ça, le cas, dans tout le combat, but, oui. Pour j'ai réuni tout le fait ça rien pour faire ça pour courir mais et puis nous là même pas poussé et puis en faveur ouais challenge dès que ça prend des projets là dans ce soir comme ça comme si griffon ça c'est des belles choses en fait c'était l'idée ça et parce que l'autre challenge d'ailleurs hip hop et qui sont culture les mêmes qui sont culture urbaine donc on est hip hop là les mêmes venu avec des anciens et nek ki nan ghetto ki te nan gang and gang yo te toujours les face à face c'est toujours ça c'est ton autre compétition physique l'était mais et en dedans hip hop nous vinn nous toujours kembi caractère ça
C'est ça que fait, on a toujours joué le plus souvent audio, pas de rap sans bif, mais moi-même, je ne dis pas de rap sans bif, je plutôt dis pas de rap sans compétition. Ok? Et parce que bif là, c'est une autre allure. Ok? À l'aise. Qui te studio là dans la rue. À l'aise, plutôt dit, man, pas de rap sans compétition, côté que, et ma spétou, moi, ma clash, so fait pas bon, so dérange ou dérange, côté technique, lyrical, flow, tout ça. Et mais c'était l'idée pour j'ai ça. L'idée pour j'ai ça, c'est ou qu'un rap là. Mais, ça veut dire, ever l'autre MC qui sous projet a, yo, ou capable de décider ou pas frapper, pièce qu'on met. On est frappé, on frappe l'autre, mais qui va déranger même d'ailleurs tout le monde qui se projet à c'est des gens qui connectés, nous avons un groupe WhatsApp côté nous connectés, nous toujours parler et puis mis, et avant projet à tout, mais tout le monde ça a été toujours connecté. Mais qui n'est qui passe au projet à frapper? Mais c'est Crispek qui juste passe au projet à et bon c'est et n'importe c'était l'idée à Crispek tout les con l'idée à et j'aime dire la faute de temps ou volonté, par contre c'est lui même qui a dit qui s'allie vraiment. Parce que bah, c'est malgré faute de temps et yon, parce que 48 bah, bon j'ai aller bah, c'est qui va t'abdire je respecte peut-être il doit pas temps même pour le faire ça dans moment si c'est album il a préparé ou bien projet yeah but on connaît yo on bel MC yo respect yeah pour ça le griffe c'est comme si mais vous frappez aussi bon personnellement tu dis pour te frapper, c'est parce que nous sommes projetés de te frapper, c'est bien. De nature. C'est son équipe qui est même son challenge. Je challenge. Conflictuel tout le monde. Et musique, tout c'est feeling. C'est feeling, tout ça me dit, je vais forcer, dire un bagage, je pense que qui passe en blanc. Je me dis, il est sans blanc. Et peut-être ça, c'est un problème. Tout ça me dit, Je suis là. Déjà la disponible sur toute plateforme qui vient ouais avec musique que ce soit SoundCloud et YouTube que ce soit iTunes CD Baby mais c'est sur et compte IM Music et personnellement que appuyé même pas c'est mon nom jeune primeur là sur compte YouTube nous qui c'est IM Music TV et déjà nous invitons tout le monde pour abonner et pour subscribe avec channel là et puis pour gagner la primeur en disant introspection, au cas qu'on blési, puis tes fonds carrières pour nous, puis au côté monde de la tour, côté expérience, même côté musical, le cas du qui, même côté professionnel, même, et c'est pas l'ibadjon comme t'as dit, 100% j'en étais supposé, mais on peut dire que, et on dit ça n'a fait même. Tu vas parler d'expérience dans Pio, qui parle même dans la musique, hein, parce que, et sous mon excès de sortir, AM n'a pas été là, on dit, matérialisé, mais en cas ce projet, ma musique est déjà en backup dans le projet. Pour reprendre, c'est un staff jeune, et on te dit, qui a fait ça? On a toute capacité, on a fait que nous supportons, et qui a fait l'autre nègre, et qui connaît le mouvement, qui parle de Dieu, qui a fait ça, et il faut la suite, nous lancer, nous pouvons croiser avec ton cousin de Poto, ça, mais nous l'avons dit, qui dit, il va bon, c'est bon. Qui prend qui dit que monsieur n'a fait ça, qui vient prendre une radio, tout le monde mette dans la machine, et il a poussé. Quand j'aime dire, nous sommes famille, on a des qui connaît plus de depuis 10 ans. Depuis 10 ans, qu'on est ensemble, c'est une partage. Non seulement, pas seulement, il y a un rapport musical, mais il y a un rapport aux amitiés. Donc, Blaisy, c'est TF, Urban, c'est TF, et peut-être tout le monde va connaître tout, les gens nous bien, on va connaître tout. Il n'y a pas pensé que, des fois, nous allons trop loin dans le mode de rapport, nous développer, et surtout dans la discussion. Il comprend l'autre, mais là, oui, ça.
que n'a pensé mais n'a pensé à même tout le pas dans quatre studio seulement car tout nous gain et question pour Nintendo et on continue après nous gain une vidéo et photo studio et photo tout donc il a même tout dans scène dans journal immobilier même après tout bah le projet ça là même a même son gros bagage même gros bouton ton papa paquet à faire combien de temps staff a gagné depuis comment dire qui staff est-ce que c'est l'indien staff là même c'est qui comme si on a dit combien de temps tout ça a gagné depuis la fonctionne on a dit nous gagne 2 ans on dit matérialiser pour ça il dit le studio nous gagne tout bagage mais on dit depuis sous papier si n'a regardé et donc a dit n'importe à peu près 4 5 ans après dit OK n'a fait ça fonctionne oh bah bon mais on vient là même l'on dit OK nous gagne studio comme on vient pour ouais même on veut dire qu'il pas qu'à venir faire n'importe bagage parce que si on pas paquet artiste même paquet à faire mais si son gros bagage même ça n'a vraiment supposé un gros bagage tout même on te dit pas qu'à venir pour faire même n'importe jamais on veut dire qu'on gros bagage nous pourtant nous construit nous et socialement économique c'est bon bah gros bagage on pas venir ça c'est bien défini tout puis intelligence aptitude et maturité. So là nous pas qu'à faire folie donc on pense à me dire on était obligé et j'en dis à simple maturité faut nous montrer vraiment nous grandir et que ce soit à côté musical ou encore côté et comme de cas ça vie personnelle tout ça on voit côté relation mon tout faut nous montrer et vraiment des maturité qui là parce que déjà on est nous gain intelligence là et puis aptitude là lui-même est tight et que ce soit à côté musical ou quoi so this is our music baby et m'a salué tout nous on go bout et tonton avec tout ce jazz assis c'est un bab bon petit c'est le petit parti et à mouvement musique là et que c'est le petit parti à mouvement c'est le petit premier pierre OK après ça nous tout c'est le camping moi blessé tout qui n'a marché là la machine après n'a nous pas courir monsieur et puis bref et bah il vient dans bah il grandit mais et puis toute une population d'un on administration mauvais si on mauvais caution mauvais et nous mauvais artiste nous red vous êtes en ça qu'a venir fait à noter que nous avons trois artistes qui c'est TF Blazy et puis Embry l'Embry comme si au monde qui dans game là compte vraiment qui ça quand bien Embry qui c'est un premier artiste solo qui fait hit vraiment un premier artiste solo qui est classique dans game là m'a parlé de Drug Pam. So ça veut dire I'm not even the one jeune campé qui va petit même. Okay. Yeah. Okay. Mais et le challenge d'un projet ça est premier projet à m'a sorti qui l'autre bail nous attendre. I'm non, c'est pas premier projet nous sorti. Et déjà nous juste pour speed c'était IM et puis IM mass avec TF c'était IM. Nous gain premier mixtape à Benz le rappeur premier dernier mixtape frustration so on connaît à Benz même c'est boss c'est un nèg qui choisit positionnel et ça lui difficile pour joindre ça et que ce soit dans culture hip hop en soi ou encore dans genre musical ça qui c'est rap so monsieur choisi positionnel yon côté et je dis avec son boss sur le bac en temps il va être pour là mais il toujours backup et pas oublier que Benz actuellement c'est best animateur game hip hop là en Haïti sous Sky TV I Music Show et puis à noter il était gros show qui enragé avec qui était toujours backup était Kezorelli qui c'est Showtime sur Melody so et à Benz bien Mais I am music là avec Blazmatic avec TF Baron qui a parlé sur projet dans le sens aussi 27 à Bouya. Tu m'as pas battu sur et pas fort dans sur structure là, sur qui ça lié sur que tu aussi sur comment faire là et sur qui ça lié comme projet. Et je joue à Bouya. Mais c'est bon dis. Tu gagne et tu m'as ça fait et Lisbonne c'est ici. Tu voulais sembler dans le sens avec le projet qu'on a annoncé. Est-ce que c'est là non et du tout pas et peut-être que ka gen un point de ressemblance mais c'est des nuances qui existaient dans l'industrie musicale là OK et parce que une fois que yon moun fait yon bagay ki ta vle gen allure avec ça que tu fais déjà yon toujours gen l'idée pour coller la même mais c'est un bagay qui typiquement venir dans plan de promotion encore plan de marketing encore plan pour nous développer
et label là avec chaque grand artiste et puis tout pour nous développer et chaque autre grand artiste qui dans milieu a peut-être et nous penser qui mérite un bruit qui pas joindre vraiment parce que l'on parle d'un artiste comme Wood Terrible, l'on parle d'un artiste comme Burning, comme Kimmy, l'on parle d'un artiste comme F-Quake pour pas citer non artiste AM déjà et ça on pense you mérite un coup de push et nous penser push ça lui-même c'est parti ça que t'as joué dans game là la, on bon et bon c'est nous fait partie par nous et qu'on y en a tant de partie par public là pour retomber déjà nous pas nous voyer on positif nous connaît on dans lui-même la tourner sur le positif that's it yeah est-ce que nous chaque jour projet parce que même qui a annoncé le directeur va jouer moi personnellement et il y a des projets en commun, même des projets c'est single, c'est pas projet que ce soit mixé, que ce soit un EP, que ce soit un album, un projet ça, parce que notre travail sur des singles là, parce que mi-temps, mi-juillet, on va dire fin juin, on va supposer après projet ça, et en musique, après vidéo, et comme supposé sorti, donc staff a décidé de mettre dehors. Et bon, on connaît comme Dieu une question terminée. Et il faut nous quitter et projet ça fait au pire. Et tant que j'en blaisais, tu dis d'aller en étoile. Ok? Et il faut nous quitter le projet autant que ce que. Donc, parce que c'est un gros lot du projet. Si vous avez parlé de l'album ou du moins, il va connaître de ça, vous voulez passer parce que ça va dans le projet nous pour aller. Alors, on a toujours nos featuring. Ok? Et puis, l'autre musique. Parce que ça, c'est un. C'est même démarche. Bien, yeah, mais ça tient à dire, c'est tout à fait ça, parce que c'est une équipe qui vraiment est une coordination parfaite et nous développons des plans et pour année, nous faisons ça, nous devons faire, malgré des fois, il y a des inconvénients qui permettent ça, nous te gagner pour faire que Paris fait à 100%, mais quand même, nous toujours make sure que nous touchons même à 60 à 70%. Et c'est ça lié un peu le single et un peu le featuring ça on connaît on équipe cracher 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 plat et ben c'était Badjo chaque activité pour le tambour strictement de moi I am music avec Blaise Matip avec Thier bah on était font si Badjo sur un projet qui a annoncé qu'à partir du 27 juin qu'à venir là à l'abonné à la chaîne YouTube I am music. I am Music TV. Donc parmi tous les monde des chances et dans des projets. C'est un plaisir pour nous. C'est un plaisir pour nous tous. Et nous remercions Staffan côté Chaka Culturel et Fac 509 et nous toutes acteurs bon street et malgré tout qu'on a dans la rue. Bref, nous souhaitons que nous mettions plus de détermination et de courage parce que ça n'a fait pas facile. Déjà, nous souhaitons un succès tout. Et continuer et consommer ce baron même avec le mauvais avec un bagage venu. So déjà merci avec tout staff là, TAC 509 qui c'est plateforme là et puis tout TJ émission ça qui c'est Chaka Culturel et puis rubrique ça qui sont rubriques jusqu'à présent qui a fait un beau travail qui c'est en bon street. So na big up bout travail ça qu'a fait là parce que et de nos jours nous pas facile nous pas facile un travail ça qui fait côté que il y a pratique mener by mon yo un peu love un peu courage un peu détermination so c'est Blaise Mati que ou même qui besoin rester connecté avec moi même personnellement sur tout réseau c'est Blaise Mati BLYZMATIQ BLYZMATIQ qu'il soit Facebook Twitter Instagram so ou je ne sous nom ça so un peu love à toute équipe là big up à ou même qui pral garder émission ça. Et déjà, moi, réinvite à subscribe avec channel AM Music TV pour capable de chance dans des projets en primeur. Yes, brancher, suivre, à mes côtés, suivre et abonner à la chaîne YouTube, bien sûr, tout le monde capable de. Et préparer pour mieux, nous capable garder, capable écouter projet
ça important 27 jours après et moi je suis à la culture je suis sur ta 509 sur Badjo sur Kimberly c'est sur toute plateforme tout ce que je veux toujours blessé j'espère bon c'est voilà Badjo qui saute mener interview ça dans vingtaine de minutes avec deux nan rappeurs qui sous projet ça d'ailleurs que saute parler de lui un projet qui sorti officiellement hier samedi 27 juin puisque comme on connaît une interview que nous avons fait au cours de la semaine et projet a sorti hier donc on a toujours à aller garder sous channel YouTube Ayam Music là Ayam Music TV pour capable garder projet a fait connaissance avec une série de MC qui ont même décidé mettre voix ensemble sous un seul beat là un beat que Deli produit qui lui-même permet que MC exposer talent rappeur exposer qualité flow yo exposer qualité skills yo gagne comme rappeur en pile bel rappeur sous projet ça en pile rappeur underground en pile rappeur upcoming sous voulez sous projet ça Blazimatic F Quake TF Burning Fatas Kimberly Kimi en pile bel MC en pile bel rappeur à la pèse sous voulez sous projet ça que m'invite nous à découvrir son projet que les bel Ayam Music produit respect pour Arbenz qui vient avec un projet comme ça avec tout notre monde qui supporte dans les belles Ayam Music. Deuxième interview à l'émission aujourd'hui, c'est d'ailleurs première émission côté nous gagnons deux invités en dedans seul lui-même. Deuxième invité à c'est Vianney Ménard et aujourd'hui j'en ai dit d'entrée de jeu son mélange entre littératie et musique. Nous sommes parlé musique, nous sommes parlé rap particulièrement et là nous allons parler littératie avec Vianney Ménard. Nous allons parler de livre qui sorti qui les fait moi jouir et c'est encore une fois Cavalier Paul Cambadjo qui t'a mené interview ça avec Vianney Ménard. Mais plutôt suivre, nous retourner après pour nous fermer le quatrième numéro de Chaka Culturel. En Haïti, parler de faire bagaille n'est pas un sujet qui est trop courant. C'est un bagaille qu'on doit aborder dans la société. Vous avez remarqué, même parents, pas toujours chita pour entrer en profondeur, pour une question ça avec tout le monde. L'école, c'est un certain niveau, au moins. Bon, les gens, ils parlent dans le fond sujet, ils ne pas trop détaillé. Malgré l'importance de la vie, nous comme monde, malgré son élément incontournable dans l'existence. Dans le numéro de chaque culture, moi-même, avec l'invité de nous, j'ai acheté à brasser l'idée sous ça. On vient avec nous, un jeune écrivain qui choisit de provoquer la société, même qui choisit de proposer un discours sur le fait bagaille. Qui est un livre sous ça et qui, selon ça, dit nous, il y a plusieurs autres travail à faire sur le même thème. Donc, c'est moi-même, Mario Pandache, qui a plein ensemble à voir seulement avec l'invité pour brasser l'idée sous. Si j'ai sur littérature de manière générale, mais sur faire bagaille, sur sexualité, comme thème, je dis. Chacun qui tire le tapot de côté, pour ne pas jamais. La société, pour nous aujourd'hui, il y a avec Vianney Ménard, qui est un jeune écrivain, bon, qui m'a quitté, le son vous le présentez peut-être lui. Bonsoir Badjo, bonsoir avec tous tes spectateurs et super branchés de Chaka Culturel. C'est un plaisir pour moi avec aujourd'hui. J'en dis là, moi, je suis Vianney Ménard, moi, j'ai 28 ans. Moi, c'est une haïtienne, moi, c'est un modèle, moi, c'est une écrivaine. Moi, c'est une présentatrice animatrice en télévision avec la radio. Et moi, c'est une actrice tout. Et puis, moi, c'est une ancienne Miss Haïti. Ok, très bien. Yannis, c'est un plaisir pour nous là avec nous. Mais je veux dire, parmi tout chapeau que vous avez gagné, c'est Andy et écrivain qui est intéressé. Effectivement. C'est avec nous qui avons l'idée. C'est sur le livre, sur le travail, sur l'expérience, sur la littérature que nous allons essayer de battre bouche pour nous connaître comment ça y est, comment on va causer, comment on va surtout sexualité. Parce que tu as semblé son thème vraiment pile. Ah, oui. Lisa. Parce que, et l'aime temps que je dis, parce que je m'en doutais pas de ça. Moi, apprendre pour moi. Et moi, je moi au fur et à mesure que je m'apprends et que je parle avec les gens, que j'étais petit, que j'étais plus passé, combien non seulement son sujet qui est tabou, mais combien nous ignorons la donne. Très bien. Et de fil en aiguille, après propre expérience PAM, moi, je viens de dire, moi, fuck, nous avons fait éducation sexuelle. Je ne veux pas dire dans le pays d'Haïti particulièrement, parce que c'est un mari qui est extrêmement important. Et puis, bon. Comme pour nous, je viens de décider de sortir le premier livre parce qu'on a écrit depuis longtemps. Je viens d'écrire le livre, ça. C'est tout naturel pour te sentir. Comment vous dites la carte? Attention, vous dites qu'on tabou sur la sexualité dans la société. C'est vrai, bien le vrai. Tabou, ça a renforcé même. Laissez une fille qui décide de parler de ça. Quelquefois, elle est choquante pour la société. Elle a une série de qualificatifs. Elle a une fille qui a une fille qui a une série de normes par rapport au fait que. Il choisit de parler librement de faire bagaille.
comment on vit ça vous-même, comme monde qui aborde des questions ouvertement, sans pièce contrainte? Moi, je n'ai pas aucun souci avec ça, personnellement. Ça, on ne pense pas que ça fait pas. Ok? Tant que je connais que ça m'a fait juste et que il n'a pas dérangé aucun monde. Maintenant, par le fait que oui, son sujet qui est tabou, on va dire, des gens qui vont dire, mais oui, il est dérangé parce que ça ne se fait pas ou ça ne se dit pas. Mais qu'est-ce que ça ne se dit pas quoi? Les bons jouements. Ce n'est pas un mauvais bagage qu'il y ait. Mm-hmm. Et nous pratiquons, nous faisons. Donc pour moi-même, c'est un non-sens pour cacher, pour mettre dans la table, pour ne pas parler de lui. Très bien. Moi, je parle de lui, ouvertement. Ok. Est-ce que son thématique qui ne travaille pas depuis le fait comment c'est écrit, parlez-nous de commencement, comment ça a été? Pas du tout. Là, comment c'est écrit, moi, j'étais à l'école toujours, moi, j'étais dans le secondaire. Très premier bien. Livre, moi, j'ai écrit du début à la fin, j'ai 12 ans. Ok. Et donc, vous commencez très jeune, si vous avez dit ça comme ça? Oui, en fait, papa me sont écrivain, et son monde sont amoureuses du livre okay. et de la lecture. Donc, ça veut dire que ma. Grandi, non, voilà, ma plus longtemps. Ok, moi, mais ça en pile. Très bien. Et je connais toute qualité de bagaille, plus je grandis, plus je élargis le champ littéraire. Et puis, bon, on connaît. Donc, je suis venu à l'époque, je suis tombé sur le cœur, si dans le cœur, je l'ai travaillé ça, yo. On prend la de rose, intéressant, pas de problème. Et puis, ça finit là. Quand on est là, le rapport que je suis venu avec la sexualité, j'aime te dire, c'est le fait que je ne pas de jeunes parler ça avec moi. Okay. Et donc, je suis venu apprendre plus propre. Et de là étant qu'on est là et moi j'ai intéressé avec sujet sexuel. Le livre là lui-même en particulier, m'a déjà maintenant tête moi que dans aller qu'on livre sexuel ou bien ce sujet en particulier. Livre ça est venu pendant période une période pays là que année dernière en 2019 en janvier. Et t'es bon monde qui te manquait. Et puis monter sur ordinateur commencer écrit et ça que moi t'as envie vivre avec mais en me remémorant bagage que moi t'ai vivre avec OK et puis moi c'est écrit sur ça goûte et puis m'écrit me dit sont inspiré mon bagage là donc c'est contrainte ou bien c'est mode de vie que l'oc la t'impose là le fait que pas de circuler librement pas de cal côté vle ou pas de cal contrer monde là non sens qui t'est qu'il y a la mettre en position pour écrit en façon vous libérer de exactement et puis de fil en aiguille et moins vinn gain moins voilà m'te écrit voilà un petit bagage comme ça et puis idée livre la vie très là. Bien structurer tout bagage okay. Bon je pense que cette lancée ça a bien commencé et tout mettre main ou écrit livre là et puis un aller puis me décider que ça va faire comment m'a faire et puis bâton très bien bon on a réfléchi dans un livre là qu'on y a là dedans. Depuis le fin mois juillet, qui c'est le titre livre, vient une sorte de provocation. Son invitation, voilà, non sens, mais a fait juste sens. Au gasp, et beaucoup de mesdames, c'est une. Comment vous avez dit ça là? Son objectif, entre guillemets, que mesdames, pas toujours, il va atteindre dans la société. Une bonne fille qui est frustrée par rapport à ça. Comment vous voyez, mesdames, par rapport à la liberté sexuelle que garçons jouent dans la société? Comment ouais, déséquilibre ça, s'il vous plaît. En réalité, c'est pas seulement en Haïti que mesdames n'ont pas arrivé dans la jouissance, ou bien dans l'orgasme. Très bien. Parce que c'est un bagage qui m'est connu à travers le monde. Je ne vais pas me dire comme ça. Ok? Parce que il y a un peu de sexologues qui rendent compte que, oui, justement, mesdames, il y a un peu de relations sexuelles, mais il n'y a pas nécessairement concours ou du moins atteindre l'orgasme. Et en Haïti, comme nous ne parlons pas parler, et les traits à vous. Ça qui vient compliqué. Voilà. Et nous sommes une société qui est très machiste. C'est pas contre toi. Mais c'est vérité. Ok? Nous très machiste. Nos façons, nos comportements, nos lois, peut-être éducation, nous certains bagages que nous avons dit, une autre façon que nous vivons, nous gagnons des comportements qui sont très machistes. Et ma bonne exemple très simple, nos garçons là, il était avec X, demain avec Y, après demain avec Z, oh, un jeune petit coq. Yon fille là, moi, de mon Dieu, pas non. Yon ta avec deux nègres. Yon pas besoin de ménager, yon bal tout mon côté. Très bien. Donc, différence là, c'est là que l'ichita. Et effectivement, ça compte empêcher, donc, que certains mesdames yon assumé tête yon, ou du moins que yon libéré sexuellement. Voilà. Et moi-même, je suis totalement contre cette histoire.
pas pour mesdames reconnaître ou pour yo. Non, voilà, moi pour que yo assume tête yo et que yo libère tête yo. Et d'ailleurs la bonne ni pour yo ni pour garçon yo. Parce que yon fille qui à l'aise dans relation sexuelle, c'est d'autant plus de plaisir et de jouissance que la baie partenaire. Très bien, très bien. Mais quelquefois nous connait venons quand fou côté que mesdames yo même yo intériorisé et machiste ou bien sexiste société a. Mais j'aimerais dire là c'est justement quelque part à cause de l'éducation que nous gagnons parce que yo pas élevé petit fille même avec petit garçon. Ça sont fait. Et yo élevé petit garçon en une façon et le plus souvent côté que tout ça le fait pas de problème. Et que fille lui-même, c'est comme si fuck lui soumise. Le bail pas pour lui. Un détail qui t'a attiré l'attention dans le livre, je vais lire un passage pour vous, et puis je vais faire un petit bas dessus. Il est parti comme ça. Elle regarda l'objet de ses fantasmes dressé dans le caleçon noir, qui ne demandait qu'à sortir. Ou dit l'objet de ses fantasmes dressé dans un caleçon noir. Mes compréhensions de ça. C'est quoi ou sexualiser si on gazel comme ça et partenaire là objectif là c'est qui ça c'est vivre ma connaît un moment vivre une expérience à caractère sexuel avec partenaire là et puis qu'il y réduit à ça non sens est-ce que on soit well est-ce que c'est sorti de exprimer comme l'idée moi sûr que pour moi même ou pas qu'après une phrase mm-hmm. qui sortit dans le contexte li, mm-hmm. et puis pour balayer un sens que li pas gagné mm-hmm. parce que et si on regarde suite logique là on pourrait côté que m'a privé donc non c'est pas une question que me t'a sexualisé alors comme j'avais dit ça faire garçon tourner un objet sexuel mais c'était une relation sexuelle que j'étais en plein débat donc le ou pral vous comprenez le ou pral on a bien ce feeling n'a pas passé on comprend mais gen yon bagay ko désiré, gen bagay ki a fort fantasme, gen bagay ke ou anvi. Très bien. Et nan mouman sa la justement pou fille ki personnage la, c'était le membre de son partenaire dressé dans le caleçon. Ah sorry, m'pa les couilles. Bien au contraire. Qui donc c'est pas ton sexisme renversé. Non, parce mais pas du tout. Ça m'bavle, mais non, m'bavle. Pas du tout. Au contraire, là, c'est justement une femme qui assume tête li. Parce que même jantou garçon intégré doit dire et fille toutouni, fille belle, li désiré, li en ville, tout bagaille. Mais quelquefois, les garçons font ça, c'est bon sexualisation, entre guillemets, de bien sûr, de c'est sexualisé, je n'en dis pas. Mais li pas automatiquement vle dit que nous réduit partenaire là avec un objet sexuel. Non, au contraire. Sinon, pièce ça me pense, c'est une entrée. Nous réagir face à machi société, face à sexisme société, pour ne pas réagir même façon. Comme si bâton et société à bail là, pour nous même bâton, on a bâlé tout. Mm-hmm. Et nous comptons ces alternatives là, parce que nous devons proposer, je me dis, bonne façon, puis bonne formule pour qu'on y a là, tout le monde capable de vivre sexualité yo, de manière, ma connaissance, même pour être capable de épanouir que possible là-dedans, puis à l'aise et puis et tout plaisir qu'à proposer. Exactement. C'est ça qui démarche pour là. Oui, démarche pour c'est tout simplement exposer sexualité, hein, j'en lié, hein, sans. Aucun tabou, sans pas retirer, sans pas cacher rien. D'ailleurs, dans le livre, on apprend moi que moi utiliser vocabulaire qu'il faut, moi pas pour comprendre, moi pas utiliser le petit toutou ou bien la petite oui. banane. Oui. Non, OK, pénis c'est pénis, vagin c'est vagin. Voilà, c'est non yo, c'est comme ça que yo fait, moi raconter comme ça. Très bien, très bien. Gen, si un monde qui lit le livre là, t'arrête le dit. Une série de scènes, une série de bagailles que vous racontez. Est-ce que c'est bagaille ou vivre ou bien c'est imagination qui travaille dans le niveau ça? Qui ça? C'est pas exactement qu'on t'a posé une question ça, qui ça pour vous répondre? Bon, et c'est pas pour une fois que je me dis le livre est basé sur fait réel. Et là, je me dis fait réel, bagaille que moi. Ok. Et, parce que fait réel, il n'y a pas concerné directement. Il y a concerné. Tout concerné. Mais à la seule différence que étant donné que je t'ai raconté une histoire, je t'ai écrit un livre et c'est pas un autobiographie que je t'ai fait. Donc oui, imagination vient faire ce travail là côté que libre toute partie, on colle ensemble pour une belle histoire ça. Qu'on est là à mon à lecteur qui a pris là pour lui chercher qu'on est qui ça veut que ça faut pas connait. On va dire ça, on va parler de qui chapitre qui partie qui est. Non, là c'est moi avec qui connait. Très bien. Qu'on y a bien, parlez-nous de. Est-ce qu'on projet là comme nous
confiné dans ce sens-là encore. C'est là que l'audim qui te met dans une situation pour écrire les livres. Comme qu'on y a nous fermé encore. Est-ce qu'on a une dynamique là? Est-ce qu'on travaille sur un nouveau projet? Est-ce qu'on a un livre là qui non. Qui finit? Alors, ça va faire du chaque temps bloc. On se bloque plusieurs fois. Mais on va faire comme ça, non. Et par contre, on travaille sur plusieurs projets. Donc, je me désole là. Pour les livres, on met que très petit. Donc, oui, ça veut dire 12 ans, on dit. Voilà, ça donc. On est pratique là longtemps. Pratique et... Donc, on a un pile manuscrit qui finit et puis qui achève tout. Et kounya là dans moment là gagne deux projets que m'a travaillé sur yo qui plus aller dans même optique ça parce que mes clients tu casse tout même que ba écoute tout hein. OK. Donc et deux projets qui pour aller plus ou moins dans optique ça qui gagne des petites extrêmement choquant tout mais que me quitter le plus vrai possible dans ça qui est dans le livre là. Donc il y a un rapport avec sexualité, il y a un rapport avec la femme qui s'assume et qui est libérée et il y a un rapport tout avec comment tu as fait de ça là avec façon que moun yo wè yo dans société et peut-être et moi t'as envie peut-être que regard ça a changé genre qu'on dire mauvaise manière de penser ça là yon fille indépendante li libérer li assumer tête li comme quoi son mauvais bagay. Très bien. Comme nous dans sexualité, nous dans littérature et nous avons un fit qui vont voir pour porter sous thématique ça. Mais là nous prenons la littérature comme domaine, comme champ d'évolution, comment on voit place femme bien qu'on y a dans la littérature dans la société nous. Je ne veux dire pas que c'est un secret pour personne qui a un pile fille qui a écrit et qui a un pile fille qui reconnaît tout. Donc je pense que comparativement à d'autres domaines côté que mesdames yo et y a beaucoup mais en pile pour population parce que dans la littérature haïtienne n'a pas de problème ça je dis parce que vous pensez mesdames yo qui dans une classe qui est assez importante. Oui, je pense ça, je pense ça. Et qu'il y a là comment pense littérature comme outil capable aider mesdames yo comme nous dans sexualité comme nous dans sexualité libérée s'il vous plaît. Comment on peut se dire assez comme outil capable d'aider mesdames et jouer une lumière quand tu t'es au pibi pour arriver à libérer tête sexuellement? Eh bien, pour les bagages, il passe par l'information avec l'éducation. Et il y a un autre bon outil qui gagne pour ça, c'est le livre. Oui. Donc, bien entendu, il n'est pas obligé de romans ou bien un livre osé, j'en écrit là, mais toute qualité de livre. Et qui parle de sexualité. Donc, pour moi-même, je dis, oui, il faut mesdames yo li, faut faire recherche, faut que yo apprenne. Et il faut que tu comptes tête, et puis il faut que tu assumes. Bon, compte tête là, en tout cas. Là, je dis compte tête, je me dis toujours, non. Alors, je ne vais pas parler de compte tête ou qui est souillé, non, je parle de compte tête ou sexuellement, voilà. Vous comprenez? Donc, ça veut dire, qu'on soit aimé, qu'on soit pas aimé, qu'on soit à foyer, qu'on comment pour prendre soin, etc. etc. Ok, je comprends. On dit, nous démarches qui t'avaient pratique. Une jeune fille qui a 16 ans qui a capable regarder l'émission. Tu as trois conseils pratiques pour t'abali par rapport à façon pour lui essayer de vivre sexualité ou bien façon pour introduire tête lui dans la vie sexuelle. Qui ça t'a dit? À 16 ans. Pour bagarre là, m'ta dire pas écouter monde qui a vous fait. Pour bagarre pas écouter monde qui a besoin faire rien. Pour qui sont d'habitude ça? Parce que en pile fois même qui a besoin faire, yo c'est pas connait que yo plus bien connait que ça. En pile fois tout c'est des monde qui fait des mauvaises expériences. Et en pile fois tout c'est des monde qui rentre dans un mauvais bagage qui pas même rien coach de ça et puis qui même capotre nous là-dedans. Parce que sous dit les 16 ans, donc ça veut dire probablement majorité monde que gagne que tu peux dire faire c'est monde qui plus ou moins dans même l'âge avec. Et qui rentre dans même situation. Bien évidemment. Donc, pas côté monde qui a besoin de faire un, ni ti ménage, ni ti zanj. Aye, pour les bagages là. Deuxième bagage là, chercher informer. Même si informer de la bonne manière. Ce n'est pas à regarder des vidéos pour nous. Non. C'est informer. C'est à chercher des articles, parler avec médecin, avec gynécologue, parler avec sexologue et parler avec psychologue. Tout. Parce que, on combat qui est extrêmement important avant même que vous rentrez dans cause relations sexuelles, là, c'est psychologie. C'est est-ce qu'on prêt. Et pour qu'on est-ce qu'on prêt, il faut qu'on compte tête. En plus, il faut que tu ne me pas compte tête. Donc, il faut qu'on parle, il faut qu'on cherche qu'on est. Troisième barrière qu'on a que m'a dit, elle est que lui, bien qu'on est,
Et si jamais elle t'a senti le prêt, parce que je vais vous obliger à faire ça, si jamais elle t'a senti le prêt, vous allez laisser parler avec partenaire. Parce que pour moi, je vais parler dans un cas que peut-être il y a un monde qui beaucoup fait. Et même si on le fait déjà, ça ne va pas empêcher. C'est que, en plus, nous rentrons dans une relation sexuelle sans que nous ne connaissions pas le monde. Sans que nous ne connaissions pas le monde. Cherché. Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans une relation sexuelle pour plusieurs raisons. Et je vous dis, un monde qui a 16 ans, pas quoi c'est petit que l'a cherché. Pas quoi c'est maladie que l'a cherché. Pas quoi l'a cherché un monde qui est capable d'user le plus. Le plus souvent, les deux raisons qui font ce monde, c'est ou bien ils fous d'amour, entre guillemets, ou bien parce que yon envie sentir yon cool, yon envie dire yon fait tout même genre avec un tel. Donc, c'est parler avec partenaire. Qui ça qui motive? Est-ce que c'est juste son petit garçon qui est dans l'école là comme ça? Est-ce que c'est yon monde que nous avons relation depuis assez longtemps? Est-ce que son monde qui est vraiment vrai, qui tient avec ou même? Est-ce que son monde qui a envie de protéger? C'est par exemple garçon là, ou qui a 16 ans, premier salidou, il va mettre capote. Ça l'a cherché. Ça son monde pour courir pour lui. Ça son vrai. Un monde qui a besoin lui même c'est ça l'envie, on ne peut pas même prendre bagaille au même et puis il gata fort bonne histoire. Non. Donc troisième conseil là moi c'est parler avec partenaire. Pour on petit gens détecter qui ça lui a cherché, qui genre de monde que lié avant même qu'on t'a décidé de rentrer dans relation avec lui. Très bien. Qui doit bien premier temps faut que décision ta personnel pas donc son décision qui personnelle que lié okay. Ou pas faire parce que yo dou fait deuxième bagarre faut qu'on informe tête ou éduquer tête connait avant ou aller l'aime dit connait c'est pas que comment et pénis va rentrer dans vagin non l'aime dit connait ça veut dire qui ça qui derrière pour qui ça yo fait comment yo fait comment pour protéger tête ou comment pour connait corps qui ça qui arrive sous faire ça ou de sous pas faire ça ils sont comprendre. Et ensuite, quand on est là, on peut parler avec moun sa qui n'en voulant qu'on a envie de faire une relation sexuelle là avec. Pour nous, est-ce que nous sommes même longueur d'onde? Là, m'a parlé pour tout le monde qui a 16 ans, mais ça vaut tout logique. Parce que l'on logique de partage, si nous relation sexuelle là pour moun, soit échange lié, qu'il faut qu'on connaisse attention moun, est-ce que l'on est à toi même genre ensemble? Oui, bien entendu. Est-ce que, voilà, est-ce que son monde qui avait protégé, est-ce que son monde qui est moun, bien ce son monde qui juste parce que ou belle petite fille là, lui fait ça déjà avec, par contre, trois, quatre mesdames dans l'école là, donc c'est un tableau de chasse que les gars n'ont pas besoin de faire là, c'est ça. Très bien. Très bien. Sexualité tabou, mais en dans sexualité, on sait de l'autre sous-point qui tabou. Bien entendu. Parmi eux, homosexualité dans la société. Oui, homosexualité est très tabou. Même moi, une série d'associations qui a fait tête que une série de groupes monde qui mettaient ensemble pour essayer de défendre droit au monde qui t'a une orientation sexuelle ça. Oui, les bon là les OK, moi même je suis un monde qui est très libéral. OK, moi même moi pas gain aucun problème avec monde qui est homosexuel. D'ailleurs, et moi je ne suis Philippe déjà. Je suis pas fâché pour ça. Tout simplement dit merci un peu, je me sens très flatté. Vous avez dit, je plais aux femmes. Merci, je me sens très flatté, mais je ne suis pas attiré par mes amis. Vous comprenez? Et puis voilà, c'est fini. Je n'ai pas besoin de jouer, de bagarre, de former une histoire pour ça. Et pour moi-même, je pense que mon hétéro, que mon homosexuel, ce n'est pas bagarre qui regarde moi-même personnellement. Parce que la sexualité, c'est une équipe personnelle. On prend tout autant monde là c'est pas agressé me veut agressé on pas ouais qui problème que ça t'a gagné pour moi bien entendu me pas parler pour mon religion etc me retirer ça tu comprends conviction religieuse c'est conviction religieuse monde et même là encore si conviction religieuse ou lui-même il t'a semblé que pour même son mauvais bagage que lié c'est pas une raison pour traiter mal un monde on monde qui est homosexuel parce que ça pas veut dire que son mauvais monde lié pour autant tu comprends ça c'est conviction pas lié qu'on pas conviction pas. Voilà, simple. Donc, c'est sur le personnel ou une position ça, mais on dit, parce que ce sont des débats qui sont censés l'ouvrir pour une société de là. Dans la position, au monde qui a fait littérature, qui a réfléchi, qui a écrit son série de questions, comment, qui discute et qui a porté sous lit par rapport à ensemble, par rapport à la société. La société haïtienne, c'est une société qui est extrêmement hypocrite et qui est très machiste.
donc et qui plus ou moins conservateur aussi sur certains points. Et nous extrêmement ignorants, nous pas éduqués. Donc bon bonne bagaille qui a très difficile journée jeudi à pour nous faire et pour monde accepter. D'accord? Donc pour moi même son gros bataille que lié. Un gros bataille parce que son bataille pour faire avec mentalité mounio, avec éducation mounio, avec coutume mounio, dans certain sens culture mounio, dans certain sens. Pour moi même ça qui est important journée jeudi c'est à peut-être éduquer mounio pour peut-être tolérant. Pas pour yo d'accord. Pas pour yo fait pas pour yo voyer moun fait non plus mais pour yo tolérer ça veut dire ou accepter moun nan jan liye donc c'est pas un crime que li fait c'est pas ou même que li vin forcer faire donc choix c'est choix parce que jusqu'à présent il pas écrit dans la loi que moun homosexuel son moun qui ta supposé aller en prison bien qu'il font crime donc choix c'est choix faut nous ta apprendre tolérer moi même c'est ça c'est ça puis gros bagarre là une fois que nous tolérons que nous ca vivre une avec l'autre on a reste on regarde comment nous voilà. Ne font pas jeune l'autre là voilà si une évolution qu'a fait ça c'est société qu'a pour parce que toutes ces sociétés pas évoluer même chose comprend mais moi pense que c'est ça qui est important tolérance parce que tout le monde est différent très bien on font petit tourner dans le livre Vianney est-ce que vous pensez et texte là traduit dans le sens réalité et on dit sexuel jette féminine là ici. Wow, on va écrire livre ça non petit clair. OK. Et est-ce que des réalités sexuelles, on pas faire faut mon être avoir, on pas faire aucune étude sur ça, on pas faire étude qui fait sur ça tout. Donc on pas réellement porter une réponse avec ça. Ce que ça que me capable dire selon ça moi connais avec en pile mesdames que moi connais, ça qui écrit dans le livre là, pas c'est pas bagaille que c'est bagaille que en pile finance société a fait déjà ou bien capable faire. Parce que je ne t'ai pas parlé tout à l'heure, il y a des bails qui tabou dans la sexualité même. Donc pour moi même ça c'est bails qui facile, c'est bails normal dans la sexualité. On va bails tout le monde fait. Okay. Comprendre? Okay. Et par contre, il y a des actes sexuels qui extrêmement tabou que ni fille. Tant qu'on sodomie. Donc ça y aurait les pénétration anale, sexe anal. Gagner tout ça nous relé dans créole et bon Jean créole zoyon. Ah, donc okay. En français il y aurait les anulingus OK yeah. Donc ça veut dire lécher partie anal moun là gagner tout est-ce que bonne loi gagner tout et j'aime nous t'as parlé de ça tout à l'heure avant émission et des pratiques sadomaso qui assez tabou tout des pratiques de domination oui, donc nous pas le bondage. Comment c'est sexualité à vraiment ici tabou en fait que une série de l'autre et détails une série de l'autre pratique qui pas trop oui que nous pas confiner à l'aise net avec eux parce que parce que nous pas connaît et c'est pas seulement en Haïti vous comprenez regarde l'autre pays qui tant pour nous même regarde l'autre pays qui tant pour nous même qui sont sujet qui extrêmement tabou d'ailleurs c'est ça qui fait en France là tu as une grosse discussion qui t'a fait pour te mettre éducation sexuelle dans l'école yo. Ça t'a fait un bon parler en pile, il y a des parents qui t'ont dit est-ce que c'est vous ou elle vous petit peu fait etc. Ouais, la France son gros pays ou dans son pays qui avance, qui pas tant que nous d'ailleurs la France accepte l'homosexualité dans la société yo. Légal, voilà, donc vous imaginez. Donc ça veut dire que pour moi même aspect éducation sexuelle là, son bagage qui manque et qui okay. Fondamental dans la société, c'est là pour commencer. Nous pas besoin d'entrer dans toute histoire ça, parce que ça c'est choix personnel que vous voyez, c'est des envies personnelles qui pas nécessairement définies mon là. Donc n'a prend sexualité à comme semblant avant qu'on y ait essayé entrer dans élément qui dans oui, élément yo ça lié avec moun. Comprendre parce que on monde capable très à l'aise sexuellement et puis que des bails pas chambre fait. OK. Y a pas de souci. On se comprend. Mais à l'aise là veut dire qu'on concord, pas de problème avec ou qu'à parler de ça, vous comprenez? Et là avec partenaire ou voilà ou pas fermé ou bien voilà ou libéré ou pas voilà d'ailleurs moi même pas je me comprends bagarre que des monde yo marié yo pas jamais parler bagarre comme ça yo pas parler de chéri tu as aimé ça chéri tu n'as pas aimé ça ça t'est bon ça va de bon pas comprendre bagarre ça donc là ou pas non relation qui est pas nourrie sexuellement parce que on a pensé oui c'était bon mais jour décider parler pour faire autrement après
ni puis bon bonjour vous connaissez. Voilà, et c'est là encore nous retourner dans l'histoire que Gerpil, mesdames, qui par contre sacré le garçon. Et parce c'est pas ça, c'est fois tout. Voilà, sexualité c'est un son bagage qui m'a dit essayer. Parce que ou pas connaître tant qu'on pas essayer. Bien entendu, tant que ça pas déranger valeur ou moral ou sans supporter, sans aimer de nature, comprends? Est-ce que ça va vous j'aimerais vous Yanni pour bien un partenaire sexuel ou qui lit mon travail ou, et puis qui dit ah moi connais peut-être dans telle scène oui, quelque bagarre là moi. Ça fait me songer telle ba. Dis-moi, est-ce que ça arrive déjà? Ah ouais. OK. Mon bon ex moi. Et me voyons un petit parti là là dans bal ouais. Et pendant l'homme t'a fait pendant écriture là. Et puis lire les mes dit bien ça est où? Et dit ça ça fait bon il est là et on connaît là là. Donc oui parce que bon nous te, il me connaît celle qu'on a l'habitude moi etc. Donc bon, voilà c'était facile pour te reconnaître moi comme ça. Et mais faut qu'on ait un garçon qui dit ça c'est lui. Alors un garçon qui lit et puis qui dit moi j'ai l'impression c'est moi qui dans livre moi j'ai l'impression c'est moi qui a fait action yo. Et me très content parce que c'est ça me doit chercher la façon que moi écrire elle était difficile pour me écrire comme ça. Mais sinon non bon garçon qui dit ça c'est lui non sens que c'est lui qui a fait telle scène qui beaucoup dit ah il y a un détail là et moi oui mais c'est ça moi dit oui que moi qui dit ah j'ai l'impression c'est moi on prend jamais raconter l'homme il va avec. OK oui qu'est-ce que c'était ça est-ce que comme si on va aller vivre avant les dix ans tel genre ça ça rappelez-moi tel le tel date et musique livre là beaucoup les livres là qui donc par exemple vous vous d'avez musique livre là beaucoup les livres là ça veut dire ça veut dire oui vous lui expliquez livre là beaucoup les livres là ah mais professeur moi j'en fais les là et mon prochain pas mieux pour moi partager la plus l'elle ah ah pour exemple Bali déjà est-ce que tu as pris exemple Alia parce que j'ai non parce qu'elle toujours à voyager sans rien okay. Est-ce que ou quand mettons date sur prochain travail est-ce que tu as dit qui l'on pense qu'il va paraître moi j'ai envie aussi on travaille à Nessa par contre qui le mais à cause de situation pays hein, parce que le livre m'a sorti en août dernier, une semaine après qu'il y a des locks. Oui. Ça qui. Des locks pour un mois, deux mois. Premier lock là. Alors, pas premier, deuxième lock là. Premier lock là, elle aime d'avoir écrit. Deuxième, elle est plus long. Deuxième lock là, elle a sorti. Ça sent, on livre pays lock. Depuis la conception jusqu'à la publication. Donc, du coup, on va me faire un livre, par exemple, je vais traduire en anglais. Parce que des gens. Qui te geta mandé mni en anglais. On va faire ça, on va et jusqu'à présent, on pas encore abouti. On devrait disposer voyer dans toute librairie ici, on a fait des contacts pour et il sorti en Dieu. Seulement il passe sous et pièce pas tant. Non, il pas encore, parce que tout bouleversement ça a campé moins et puis en plus qu'on est là avec pandémie, ça a enragé net, bagaille campé. Donc on pas connait si m'a soutien en bagaille aller ça. Mais c'est ça que m'était prévoir. Okay. Ouais, on souhaitait moi. OK, projet fini tout, tant qu'on dit. OK, pour les manuscrits finis, tout bah est fini. Oui. C'est par rapport à la situation qu'on voit. Oui, oui, mais ça m'a vu sorti, c'est pas c'est une note de projet ça nous pas travailler sur. Mon petit pic sous titre par exemple. Non, moi j'aime pas mettre titre là. Parce que titre là il coupe faire boum. On veut tout le monde aller on dit maman. Hey, tu sais moi jouer. Ben attends. J'espère que c'est très prochainement. Oui. Et j'espère que gagnons encore ton ensemble avec nous là. Ah, avec plaisir, avec plaisir. Oui. Merci d'aider sur le prochain travail. Oui. Non, nous sommes soft, Peut-être que c'est un très matière dans ça, mais on va nous rencontrer encore. Sans problème. Et ça rapide, Dieu, t'as qu'on dit. Attends. C'est un plaisir de gagnons, Vianney. Et. Les blogs disponibles qui côté là, si on monte à se déjoindre. Alors, dans ce moment là, et ma travail pour moi, si les livres sont disponibles dans la librairie, même si mon situation est assez difficile. Et mais jusqu'à présent, et si on monte à besoin de livres, aller contacter directement. Et moi, toujours chercher un moyen pour que mon jeune livre. Donc, les gens capables de contacter moi sur toutes les réseaux sociaux, que t'es Twitter, Instagram ou bien Facebook.
Lady Vianney, LADYVIA2ZYE. Très bien. OK. Et vous êtes capable de contacter moi et puis moi, je vais regarder qui est possible pour que vous êtes capable de jouer dans le livre. Donc, la société ne pas négliger et checker Vianney sur tout réseau. C'est tout fantastique. Souhaitez jouer un texte là. Les exemplaires disponibles toujours et très prochainement, nous la mettez disponible dans et librairie et puis en ligne tout avec. Oui, en ligne tout. Très bien, très bien. On s'en est capable de nous lire et puis échanger avec tout si possible. Yanni, merci, c'est oui. Ton plaisir. Qu'il ait une parole à côté pour nous. Ok, alors moi-même, premièrement, je porte une parole à mesdames. Avant. Et je ne veux dire, il faut que nous connaissions que c'est un monde, un très bel monde que nous sommes, un monde fort que nous sommes, et nous sommes un apparentiel. Nous n'avons pas besoin toujours à chercher approbation à la société, les nous envie font bagaille. Si bagaille ça, li juste, et le pas déranger l'autre monde, et que la bon pour nous. Donc je ne veux dire, affirmer tête nous. Remettez nous, affirmer tête nous. Ok? Pas peur. A toujours une critique, a toujours même monde qui mal ou ça. Mais j'aime vous là depuis son bail positif et qui pas déranger l'autre monde forcé. Connais là mon message pour tout les garçons inclus. Et sorti phrase que et moi t'es bail alors moi que moi commencer bail depuis le moi mis Haïti, depuis le mis Haïti parce que c'est phrase ça qui t'a mené justement dans mis Haïti qui fait que nous t'es travail, qui fait que nous t'es fight, qui fait que nous t'es arrivé pour quoi non. Et qui continue à motiver, qui fait besoin de livres à tout, avec tout le projet que vous avez. Ok? Osez rêver. Rien n'est impossible si on a de la volonté. En bon créole, ou pas besoin de rêver, quel que soit le rêve que vous avez. Toujours osez, pour une volonté, ou à plus. Très bien. C'est une invitation pour nous croire dans la tête, nous. C'est une invitation pour nous croire dans son gain comme valeur, pour nous croire dans son cas proposé comme monde. Son invitation pour nous construire tête nous tout, pour nous capables d'investir tête nous pour nous. Yanni, merci. C'est ton plaisir. Merci, Badio. Merci avec une belle émission ça. Chaka Kiltirel, mes amis. Un blanc. Ça arrive tout le temps. Merci Badio, merci Chaka Kiltirel, merci avec nous-mêmes qui t'as suivi l'émission ça. Moi, j'espère nous continuer à supporter, monsieur ça. Faut un bon travail de vous. Et puis moi j'espère que après invité moi encore. N'a pas encore. Parce que une bonne parole qui vous dit toujours une bonne parole qui vous parle. Et qui donc il y a plusieurs émissions qu'a fait avant monsieur. Oui, tout ça qui est positif, moi-même moi toujours dit, yo mérite support. Et nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui est important parce que si nous pas là, tout ça qu'a fait là, que le livre, que le musique, que le émission, il y a pas d'avenir qu'elle nous en d'être. Très bien. La société, c'était avec nous via Niménor ou numéro ça dans le magazine. Nous avons rendez-vous pour l'autre fois. C'est un plaisir de nous avoir là, ensemble avec nous via Niménor encore une fois. Merci tout le monde et pas oublier de suivre Chaka Kiltirel sur toutes les plateformes. Pas oublier de suivre TAC 509 sur tous les réseaux. Net. Donc, on remet ça. Chaka Kiltirel pour nous faire quatrième numéro de Chaka Kiltirel la bout avec un coup de jet sous actualité à Jante Djouli. Comme on connaît déjà, il y a un pile live qui fait au cours de semaine nan, et très souvent par rapport à contrainte, nous pas décidé de rester sous live qui fait déjà yo parce que ou vivio si l'important pour nous faire des commentaires sur un café yo. Par exemple, un gros coup de chapeau pour Michel Guillaume, un gros coup de chapeau pour Magnum Ben pour live 44 ans isolant à soir à 28 juin. Eh bien, lui-même l'a réalisé live li qui baptise Évolution, un live que Isolant décide de faire côté la collecter l'argent pour offrir l'hôpital à Kayea en ambulance. Zafem ban nous rendez-vous le 3 juillet, un live qui en pile mon attend puisque c'est grande première formation musicale ça. La bande a dénoncé l'idée à Reginald Kanje des matons dans affaire musique en Haïti, dans affaire musique pays nous. Reginald Kanje a dénoncé qui bat tout monde rendez-vous pour 3 juillet. Pour prestation virtuelle Zafem. Et puis le 5 juillet, Woody Woodboy, président jeunesse là, Jean autoproclamé tête li, et ben nous rendez-vous pour un live que l'a organisé pour nous. Gagné Kai le 18 juillet, la bande à Richard Cavé qui va nous rendez-vous pour 18 juillet. Et puis Zinglin, Jean Brutus Derissin, Widler Octavius, Wade, Emi Nixon, lui, Eminex, c'est autant de musiciens qui fait partie de Zinglin qui va nous rendez-vous pour prestation virtuelle groupe là le 19 juillet. Donc on est masque compa ban nous rendez-vous tout pour jouer Cabinho système Ben annoncé que l'a fait live et bien classe qui ban nous rendez-vous le 16 août
pour troisième prestation virtuelle pendant la période qu'on a fait ravage là. Et puis après classe, nous gagnons disciples. Première prestation virtuelle pour la bande à Gazman Couleur, à Gazman Pierre, disciples. Et bien, qui va nous rendez-vous le 22 août dans l'occasion anniversaire Gazman Couleur. Et bien, disciples qui a performé pour nous. Information concernant disciples. Ralph Ménélas, maestro expérimenté de la musique haïtienne, qui lui-même rejoint l'équipe disciples là et qui pourra le faire route là avec Gazman. D'ailleurs, on a une chance pour ouais. Ralph Ménélas, associé à toute cette équipe disciple ensemble pour prestation virtuelle ça le 22 août qui a venu là. Je rappelle que Ralph Ménélas, son maestro qui fait expérience dans formation musicale tant que Zinglin, donc avec Gracia, avec Richie, qui fait expérience avec on est tant que Kenny Demangle, qui fait expérience avec on est tant que Gracia Delva, deuxième version soulevée lorsqu'il a intégré Mass Compa, qui était venu changer en le compas pendant temps jusqu'à départ. Ralph Ménélas pour groupe là te retourner Mass Compa. Autant d'informations sur Ralph Ménélas qui rejoint disciple et que vous avez gagné pour performer à disciple le 22 août prochain dans le cadre concept que Gazman Kembe depuis quelques années, le concept 22-22. Donc 22 août, Gazman qui va nous rendez-vous, qui va fanatique musique, fanatique disciple, rendez-vous pour prestation virtuelle, formation musicale qui venait disciple. L'autre gros rendez-vous musique qui a gagné sur internet là dans le jour qui a venu, c'est pour aller dans le cadre concept que nous connaissons qui relait Battle of the Haitian Producers que Flav Gabel et avec équipe initiée côté on mettait deux producteurs youn en face l'autre pour jouer musique que produit des musiques que en pile fois fanatique que pas connaît ces producteurs ça produit et ben gagné dans cadre bataille ça dans cadre opposition ça face à face musical bien évidemment pral gagner Arli la Rivière qui pral en face Jean-Hirard Richard Richie deux parmi pi gros puis prolifique producteur que compare bail depuis ces 25 dernières années, yo pral youn en face l'autre, donc c'est pour le bonheur de la musique haïtienne, c'est pour le bonheur, pour le plaisir des fans de la musique haïtienne, des fans du compas en particulier, qui ont même pral gagner pour grand plaisir dans le cadre de Battle Sahara qui pral opposer Arli la Rivière à Richie. Qui me rappelle que Arli la Rivière c'est un gros potorique musicien, petit Daniel la Rivière qui mène tout son gros potorique musicien. Arli la Rivière qui roule bosti dans plusieurs formations musicales, qui fait des expériences avec Kazakh Experience, qui fait expérience avec la Colle d'Haïti, qui fait expérience avec Feeling et qui va commencer à retrouver Marc Lee au sein de formation musicale tant que design et qui après pour fonder New Look qui c'est formation musicale que l'a dirigé jusqu'à aujourd'hui comme maestro claviériste et comme chanteur. Arli qui gagne en quantité intéressante d'albums dans discographie. Arli qui commençait avec un album tankou Heavy Compa, album solo qui te gagne plusieurs artistes que monsieur t'a invité sous lui. Li sorti album Bam chargé avec Design, c'est premier album que Design sorti. Les groupes là d'ailleurs qui fait former qui te zinglé plus avant que le vin Design parce que nous songe Arli tes fonti expérience dans anglais avec Boutus mais qui pas duré longtemps et bien après nous pral gagner Arli la Rivière pour réaliser album Match Red avec la formation musicale Design album Explosion et puis nous pral gagner album New Look qui pral commencer puisque nous connaissons projet New Look là pral commencer dans l'année 2000 même avec l'album Big Mistake qui pral sortir avec la réunion des deux compères qui étaient dans Design dans un premier temps qui viennent traverser al fait New Look ensemble, n'a parlé de Gazman pour le Gazman Pierre et de Arli la Rivière, yo pral réaliser premier album avec New Look Big Mistake, deuxième dans Still News, troisième dans Abon et puis Gazman avec Arli pral séparer à partir de ce moment et Der Stanis Pipo pral rejoindre Arli la Rivière pour réaliser album Confirmation ensemble et puis après projet Confirmation 1, Pipo quitter Arli la Rivière et puis Arli continue route là pour continuer et réaliser trois albums pour Cole comme chanteur formation musicale ça n'a parlé de l'album I Got This, My Time et puis No Stress dernier album que Arli la Rivière sorti. Donc au total Arli qui gagne plus qu'une dizaine d'albums dans discographie sans compter projet personnel que le sorti qui baptisé Encyclopédie qui reprend souvelé tout succès ou bien majorité succès Arli la Rivière te connaît de Design à New Look puisque le projet ça t'a fait c'était pour unité toujours dans version New Look côté Gazman Podco qui était groupe là sur Encyclopédia sorti en 2009 et sous Encyclopédia c'est deux CD qui gagnent et sous chaque CD ça on peut aller mettre en musique neuf et sous l'un là d'ailleurs gagnent Esprit de Noël en musique qui connaît un gros tonton succès et qui a continué qu'on a pile succès pour pile monde yo prédit que musique ça capable en classique par rapport à émotion que le transpirer par rapport à période que Arli décide d'écrire en dans musique ça qui baptisé Esprit de Noël chapeau
au grand maestro Ali La Rivière qui pourra le retrouver face à Jean-Hilaire Richard, une dans l'autre producteur qui est plus prolifique dans la génération Compas. Donc, on a parlé de Compas depuis ces 25 dernières années. Richie, c'est nèg qui derrière 11 albums studio, environ 21 ans de carrière comme producteur, bien évidemment, puisque Richie a gagné de l'autre expérience avant même que tu aies intégré Zinglin. Nous sommes chez Richie, tu es ensemble avec Gazman Couleur dans un projet. Nous sommes chez Projet Tapage, que Richie et Gazman étaient ensemble là-dedans. Mais véritable début carrière Richie comme producteur fait avec la formation musicale Zinglin, là nous en 1999, avec l'album Easy Compas. Et après l'album ça, Richie réalisé l'album Let It Groove avec la formation musicale Zinglin. Et puis l'album Do It Right, encore avec la formation musicale Zinglin. Là ça nous songe, Zinglin avec Gracia Delva devant Jazz là, l'album Do It Right qui sorti en 2002. Et puis après départ, Gracia Delva, Zinglin pour le faire appel avec Reginald Kangé, avec Flo Jean-Baptiste, Jean-Edouard Jean-Baptiste de son vrai nom, pour réaliser l'album 5 étoiles en 2004. Richie qui produit album personnel lié avec Zinglin comme backup musical en 2005 Happy 50 Compas. Nous songez album ça, Le Compas. Nous songez album Yore Mele Spaghetti Style pour sceller réconciliation en deux compères. Gracia à Richie qui après départ, Gracia dans Zinglin te vin bon petit bouche manger entre Gracia à Richie. Côté Richie fait musique, li shooté sous Gracia. Gracia fait musique, li shooté sous Richie. Donc, monsieur, on va le réconcilier. En 2006, on va le sortir l'album Yore Mele Spaghetti Style. Et puis, après l'album ça, Richie, pour le produire l'album 5e vitesse pour Zinglin. Il produit deuxième album personnel, Richie, 10 ans plus tard, en 2009. Et puis, avec la formation musicale classe que lui formé, dans l'année 2012, il réalisé 3 albums. Album Felvini avant, Fela Toutke, et puis Retin Lyon, qui fait 11 albums studio produits par Jean-Hilaire Richard. Donc, deux gros tontons maestro qui pourraient face à face dans 4 gros battles, ça, Capvini, Henri La Rivière, face à Jean-Hilaire Richard Richie, tout ceci pour le plaisir et pour le plus grand bonheur des fans de la musique haïtienne et particulièrement des fans du Compas direct. Yon autrice, j'en ai annoncé dans le début émission pour nous finir, c'est Nouvel Lambo, maestro, directeur musical, orchestre septentrional, la boule de feu internationale, l'orchestre septentrional, orchestre qui gagne plus l'âge, formation musicale qui est âgée, sous échiquier musical haïtien et voir dans Caraïbes là c'est une formation musicale qui est plus temps depuis l'exister. D'ailleurs, c'est temps qui plus grand que Compas même, parce que c'est temps d'avoir fait musique avant même que Compas existait comme genre musical, comme style de musique. Eh bien, gagné François Nicole Lévy, directeur musical, formation musicale, c'est temps qui quittait Visa, qui quittait Boutessa, et il est mort à l'âge de 73 ans à cause d'un accident cérébro-vasculaire, selon toute dernière information. Donc, équipe Chaka Kiltirel, équipe TAC 509, souhaitait un bon départ à maestro François Nicole Lévy pendant qu'on a dit merci pour tout ça le fait, pour la culture haïtienne, pour tout ça le fait, pour la musique haïtienne. Voilà donc notre qui mettait un bout dans le quatrième numéro de Chaka Kiltirel. Continuez à suivre nous tout côté sur tout réseau. Chaka Kiltirel, TAC 509, Kenny Vilsen, Mario Pandage Badio. Merci tout le monde d'être avec nous pour le quatrième numéro de Chaka Kiltirel. Restez sous TAC 509. L'autre programme a venu pour Chaka Kiltirel. Rendez-vous, c'est dimanche prochain au cinquième numéro.